Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bienvenue dans votre espace sur le rêve, l'interprétation de vos rêves. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple trouve des réponses à ses problèmes. Saint-Esprit de Dieu, utilise-nous comme des simples instruments pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. La signification des fourmis dans le rêve. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Veillez, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Bien-aimé, voir les fourmis dans le rêve est le signe des attaques spirituelles. Les fourmis appartiennent au groupe des insectes qui travaillent ensemble dans l'unité. Tout animal ou insecte que tu vois dans le rêve est possédé par des démons pour t'attaquer et pour accomplir l'agenda diabolique qui est de tuer, de voler et de détruire. J'ai pris mon Dieu qui te délivre de toute attaque de fourmis ou de tout autre animal dans le rêve au nom de Jésus. Bien-aimés, beaucoup de gens dans leurs rêves voient différentes variantes. D'autres voient les fourmis dans la cuisine, d'autres voient les fourmis sur leurs enfants, d'autres voient des fourmis sur des habits, d'autres voient les fourmis couvrir leurs chambres, couvrir leurs lits. D'autres aussi voient dans leurs rêves qu'ils sont en train d'être mordus par des fourmis. Quelle est l'interprétation? Quelle est la signification? Et comment faire pour sortir des rêves de fourmis? Bien-aimés, voir les fourmis dans le rêve est une indication de l'esprit d'inquiétude et de soucis. Quand dans vos rêves, vous voyez souvent les fourmis, sachez que ça montre que la personne a des soucis, la personne a des inquiétudes. Deuxième indication, voir les fourmis dans les rêves signifie qu'il y a des mauvaises nouvelles qui sont en route ou sur le point d'arriver. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger les rêves de fourmis. Quand vous voyez les fourmis dans vos rêves, ça montre qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est sur le point d'arriver. D'autres, vous ne comprenez pas. À la veille d'une grande opportunité, vous voyez les rêves de fourmis. Et deux, trois jours après, tout se gâche, tout se gâte. Les fourmis dans les rêves, c'est le signe qu'il y a une bonne, mauvaise nouvelle qui est en route. Si vous avez quelqu'un de la famille qui est en train d'être malade, quand vous voyez les rêves de fourmis, sachez que la personne ne va pas survivre de cette maladie-là. Bien-aimés, vous ne devez pas négliger vos rêves. Vous ne devez pas négliger les rêves de fourmis. Troisième chose, voir les fourmis dans les rêves signifie que la personne est attaquée par l'envoûtement. Surtout quand vous voyez les fourmis vous mordre. Ce n'est pas un bon signe. D'autres, vous allez constater des maladies bizarres. D'autres, vous allez constater les bonnes choses se détruire. L'apparition des fourmis dans les rêves, ça montre que la personne est attaquée par les forces de l'envoûtement. Vous devez prier et détruire les attaques sataniques au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Voir les fourmis dans le rêve, c'est aussi une indication de la division,
de la dislocation et des problèmes maritaux. Quand vous voyez les fourmis dans votre chambre, ça va créer la division, les disputes. Les problèmes maritaux. Si tu es une sœur, tu vois généralement les fourmis dans ta chambre. Ça sera difficile pour toi de te marier. D'autres, tu me suis là. Tu vois les fourmis monter sur ton lit. Et tu remarques comme ça. Tu as toujours des problèmes. Tu souffres de stérilité. Dieu est capable de te délivrer. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de mettre fin à ces attaques sataniques dans le rêve au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, voir les fourmis dans le rêve, c'est le signe de la défaite dans la bataille spirituelle. Voir les fourmis dans les rêves veut dire que tu vas perdre la bataille. Et surtout quand tu vois les fourmis sortir de partout, ce n'est pas un bon signe. Tu dois prier pour détruire ces gens de rêves, détruire ces attaques au nom de Jésus. Je prie mon Dieu, tu ne perdras pas tes batailles au nom de Jésus. Je dis que tu ne perdras pas tes batailles au nom de Jésus. Voir les fourmis sur tes habits signifie que l'ennemi t'a fait porter la honte et la malchance. Quand tu vois dans tes rêves les fourmis monter sur tes habits, c'est la malchance. Ou si tu vois les fourmis monter sur ton véhicule, tu vas connaître l'accident, c'est un mauvais signe. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es en train de nous suivre, la puissance de Dieu peut te localiser et te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer des attaques des fourmis au nom de Jésus. Bien-aimé, septième chose, voir les fourmis sur tes biens, sur ta nourriture, c'est une mauvaise chose. C'est l'indication des flèches du dévoreur. Quand tu vois les fourmis dans la maison manger la nourriture, donc l'ennemi a envoyé un esprit pour te sucer, pour détruire les bonnes choses dans ta vie. Tu dois t'élever et prier contre ces attaques au nom de Jésus-Christ. C'est le signe de la destruction. Tu verras les choses se détruire. C'est les attaques des fourmis dans le rêve. Bien-aimé, dans la Bible, les fourmis représentent le travail. Mais dans le rêve, les fourmis, ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup sont en train de souffrir de ces rêves de fourmis. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu est capable de te délivrer des attaques des fourmis dans le rêve. Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de négliger tes rêves. Les rêves nous renseignent nos combats. Les rêves nous renseignent les choses qui se passent dans le monde spirituel. Quand tu vois les fourmis, ça veut dire que quelque part, quelque chose ne va pas. Ça veut dire que l'ennemi se sert de ces fourmis-là pour t'attaquer, pour te détruire, pour voler les bonnes choses dans ta vie. Tu dois t'élever dans la prière et combattre ces attaques-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les fourmis opèrent dans l'unité. Cela veut dire qu'il y a un groupe de gens qui travaillent contre toi pour te détruire, pour te déstabiliser. J'ai pris mon Dieu à la fin de cette émission. Tous ceux qui sont rassemblés contre toi vont tomber au nom de Jésus. Je dis, ils vont tomber au nom de Jésus. Bien-aimé, le nombre de fourmis que tu vois dans les rêves, ça montre les ennemis qui sont contre toi. Si tu vois trois fourmis, cela veut dire qu'il y a trois ennemis qui te combattent. S'ils sont un groupe, cela veut dire qu'il y a une coalition contre toi. La Bible dit quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je vois tes ennemis tomber au nom de Jésus. Ils vont chanceler et tomber au nom puissant de Jésus-Christ.
Tes ennemis vont tomber et se disperser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, des fois nous voyons dans la vie réelle, les fourmis sont attirées par le sucre. Je dis, voilà tes rêves, qu'il y a du sucre et qu'il y a les fourmis qui se rassemblent. Sachez que l'ennemi veut sucer les bonnes choses dans ta vie. Dans ton réveil, ça veut dire que l'ennemi veut sucer tes trésors, tes biens les plus précieux. Tu dois te lever dans la prière et annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ. Que faire? Première chose, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois te consacrer à lui, car lui seul peut te délivrer de ces mauvais rêves. Deuxième chose, tu dois marcher dans la sainteté et dans la pureté. Troisième chose, tu dois fermer toutes les portes, ouvertes à l'ennemi. Des fois, nous sommes attaqués par les fourmis dans les rêves, parce que nous avons ouvert des portes. Tu dois fermer toutes les portes et te concentrer pour ta délivrance. Quatrième chose, tu dois combattre les forces ancestrales et la méchanceté domestique qui est contre toi. Quand nous sommes attaqués par les fourmis, ça montre des fois c'est les forces ancestrales, des fois c'est la méchanceté domestique qui est contre nous. Tu dois prier pour ta délivrance au nom de Jésus. Sixième chose, tu dois envoyer le feu pour tuer tous les fourmis que l'ennemi a envoyées contre toi. Bien-aimé, notre Dieu est un feu dévorant. Tu dois savoir utiliser le feu de Dieu contre tes ennemis, contre ceux qui s'assemblent contre toi, contre les fourmis qui les envoient contre toi au nom puissant de Jésus. Je vois déjà le feu descendre et brûler tous tes ennemis au nom de Jésus. Je dis, ils ne vont pas échapper au feu de Dieu. Ils ne vont pas échapper au feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Une autre chose, tu dois abandonner les critiques, le mensonge, les commémorages et la paresse. Et enfin, tu dois invoquer le sang de Jésus pour ta protection et pour ta couverture. Toi qui es touché, toi qui vois dans tes rêves les fourmis, le numéro est au bas de votre écran. Tu peux nous contacter pour te conduire dans le processus de la délivrance. Je vais prier pour toi. Seigneur, j'amène ton peuple qui est attaqué par l'ennemi. Certains voient dans les rêves des fourmis monter sur leur corps. Père, par le pouvoir que tu m'as donné, je prends autorité. Je m'élève contre tout esprit de destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève contre toute attaque de l'envoûtement, de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de l'envoûtement, brise le pouvoir de la sorcellerie dans leur vie. Au nom puissant de Christ, j'envoie le feu de Dieu. Qu'ils soient consumés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ceux qui se sont ligués contre toi, que le feu les disperse maintenant. Au nom puissant de Christ, je commande à l'ennemi maintenant. Libérez leur vie. Libérez leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je brise ton emprise. Et je te commande maintenant, lâche prise dans leur vie au nom puissant de Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandy. Bien des bonnes choses. À la prochaine sur votre chaîne.